je me suis dit, tiens, je vais passer mon diplôme de moniteur, je vais être scaphandrier. Et là, quand j'arrive à ce qu'on appelle l'INPP, l'Institut National des Plongeurs Professionnels, on me dit, oh, t'es bien gentil, camarade. T'as vu, te manque une jambe. Ah ouais, eh ouais, il me manque une jambe. Mais moi, je veux être moniteur, je veux être scaphandrier. Mais tu peux pas, parce que t'es handicapé. Or, je suis un peu filou. Je leur dis, ok, d'accord. Je fais l'école, mais je passe pas le diplôme. Ah, il nous emmerde, celui-là. Donc, mon problème, premier cours, c'est pas la plongée. Je suis né avec une combinaison. Donc, on va appliquer la règle de 3. Monsieur, c'est quoi la règle de 3? Et là, on était une centaine. Hein. Tout le monde s'est mis à rire. Et je voyais dans la tête des profs qui étaient là, en disant, lui, il lui manque une jambe. Il sait pas aller à l'école. Il a jamais été à l'école. On va rigoler avec lui. Je la fais brève. Un an et demi après, je sors major de promotion, c'est-à-dire premier en France. Parce que j'avais compris qu'il fallait que je bosse. Donc, il n'y avait plus de sortie, il n'y avait plus rien, nuit et jour. J'étais dans les bouquins, en plongée, j'avais une rage et une... J'aime pas le mot haine, on va y venir à la haine, je l'ai eu. Mais j'avais une rage incroyable où je suis sorti premier. Et à savoir qu'on vous fait beaucoup de sauvetage, c'est-à-dire il faut aller chercher un bonhomme à 60 mètres de fond et le remonter à la surface dans les conditions qu'il faut, avec des règles et un protocole vraiment strict. Donc, je sors premier en France. Et ça, ça a été vraiment, je crois, le grand déclic de ma vie. Quand je suis sorti de là, je me suis dit, mais ok, eux, ils me voient comme un handicapé. Et là, je ne vais pas être humble, excusez-moi, c'est la dernière fois de la soirée. Mais je suis plus fort qu'eux. Alors, moi, je suis juste différent. Et c'est là où j'ai compris à conjuguer ces mots, à conjuguer ces verbes qui sont tortueux, qui font mal. Quand on vous dit, tu es handicapé, ça y est, tu ne peux plus faire, tu ne peux plus être. Moi, j'ai dit, je deviens ce que je suis. Je suis un aventurier, je naîtrai d'aventure. Et pour vous donner une idée, ma mère, on habitait dans une cabane en bois, sans eau, sans électricité. Elle avait une espèce de drap où elle me mettait devant. Elle se promenait avec la Winchester autour parce qu'il y avait des bestioles autour. Bon, je suis né avec ça, une bassine pour me donner le bain. Donc, ma vie, c'était un peu la baroude, quoi. Et de me dire avec une patte en moins, tu ne peux pas faire des choses, non, c'était inadmissible pour moi.